Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. C27. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai un décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai le carton indiqué à la fin de la présentation. Une période de questions durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous devez à aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo déterminée par des marques au sol, qui est les bureaux. Oui. À tous les observateurs... À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez à aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui se présente. Aucune entrée, aucune sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou de la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite commencer votre présentation. Bonjour, ça va bien? Oui. Francis Grenier, des gens d'entreprise, moi aussi, je suis directeur de compte là-bas. Bonjour, Samuel Saint-Exupéry, je suis directeur des études de cycle supérieur en sciences comptables à l'École Campus de Lévis, puis je suis également professeur en sciences comptables. Bonjour, Marie-Claude Lapointe, c'est moi qui rédige votre code. Je travaille comme analyste financière chez Pascal, puis j'étais également l'année dernière présidente des Jeux du commerce, qui est la plus grande compétition interuniversitaire de l'Est du Canada. Puis cette année, je suis présidente de l'Union financière de la compétition universitaire. Bonjour à vous. Juste vous mentionner que le petit piqueur. Donc, j'ai appelé Cassandra Tony, je suis conseillère en fiscalité chez Coopérative Victoriaville. Je suis chargée de cohésion au département des centres comptables, puis je suis représentante de recrutement CPMS. Bonjour, Emmanuel. Je suis comptable en consolidation au CGT Aquacop TDP Montréal. Merci beaucoup. Donc, moi, nous, je vais présenter notre équipe, Mathieu Delisle, Louis Delouvé, Marie-Claude Léger, mes collègues. Donc, on va. Le cas, ça se nomme Réalisation Inc. Donc, l'introduction, je vais la faire. Les présentations sont faites. Notre mandat, c'est la compagnie de Mme Gilbert. C'est une compagnie de construction en développement, elle est tout à fait nouvelle. Elle se demande si elle veut acheter une machine, une imprimante 3D pour construire des nouvelles maisons. Et avec cette imprimante-là, elle va pouvoir diminuer ses délais, ses coûts de production. Et en même temps, ça va respecter les valeurs d'entreprise, cette machine-là, parce qu'elle est plus environnementale. On va l'expliquer plus tard par la suite. Et donc, le travail qu'il nous a demandé, c'est de 1, identifier les avantages et inconvénients de cette machine, vérifier si elle est vraiment la peine d'être achetée. Si jamais elle voudrait bien être achetée, vérifier les moyens de financement. Donc, il y a plusieurs moyens de financement identifiés, il fallait combiner un peu lesquels allaient être les plus durables ou ceux les moins coûteux et ceux qui répondaient aux besoins de la banque du bail. Et le troisième mandat, son comptable est tombé malade, je crois. Et puis, on devait faire la comptabilité d'exercice pour les dernières transactions qui se sont faites dans l'entreprise. Donc, en fait, on a comparé les maisons de fabrication traditionnelle et l'imprimante 3D pour savoir si oui, on devait faire l'acquisition. Donc, pour les coûts de matières premières, comme on peut voir, on a calculé sur les informations qu'on avait que. Selon la méthode traditionnelle, ça coûterait 8 625 000 $ par année. En fait, on a utilisé. Le coût des maisons par pied carré. C'était pour un rapport par client. Donc, on a dit que dans les lancers, il y avait 50 par année maisons fabriquées. Puis on a dit que. On a supposé qu'un client équivalait à une maison. Donc, pour la construction de la micro-maison, ben, on a calculé dans le traditionnel, c'est 5 700 000 pour un dépôt annuel de 14 325 000 $. Alors que l'imprimante 3D,
la prouvé qu'il y a 25% des clients qui allaient utiliser. Donc, on a calculé selon ces 45%. Donc, pour le coût de matière première, ça nous a donné 1 659 500 $. Puis, pour 2300 pieds carrés, comme d'habitude. Ouais. Parce que les coûts de fabrication étaient moindres, mais en même temps, comme 45% des clients allaient être intéressés par cette maison-là, on a comme diminué la portion des maisons qui allaient être vendues grâce à l'imprimante 3D. Pour l'investissement initial à l'imprimante, elle disait qu'elle voyait que ça coûtait entre 750 000 et 1 500 000 $. Donc, on a fait la moyenne. Donc, on a dit que c'était juste 1 125 000 $. L'hypothèse du prix qu'elle allait négocier, ouais. Entre 10 000, parce que le prix c'était 1 500 000, on va le négocier à la baisse, avec de fortes chances d'y arriver, parce que son argument principal c'était en fait que l'imprimante n'avait jamais été encore testée en sol canadien et que les maisons c'était risqué parce que les maisons pouvaient ne pas s'adapter au sol canadien, au climat canadien, surtout québécois. Donc on pense qu'elle serait capable de négocier. Cependant, vous allez voir tout le long de la présentation, on est allé avec un taux de risque minimum. Donc on ne s'est pas allié au risque, comme on peut dire. On a vraiment fait en sorte que nos hypothèses sont vraiment les moins risquées possibles. 1 125 000, c'est la tranche pile entre 1 600 000 et 750 000. Puis on s'est dit que ça allait être le moins risqué. Ouais. Pour les frais de transport, en fait, c'était écrit tel quel, donc 1 000 $. Le montage et l'installation, c'était 60 750. Pour les programmeurs, en fait, c'est les salaires. Donc, parce qu'il y avait deux employés pour 70 000 $ par année. L'éducation, donc, c'est 50 000. Les formations, c'était de 35 000. Puis les entretiens de machines, 50 000. Puis les salaires, les entretiens de machines, c'est 500 000. Puis le loyer, de 900 000. Donc, ça nous a donné un déboursé annuel de 3 474 250 $ pour l'année 2010. Parce que le loyer, il faut entreposer la machine, donc c'est pour ça qu'on a des charges de loyer ici. Donc, l'argent réalisé en 2019, selon les informations qu'on avait, on a établi que pour la fabrication de maisons traditionnelles, on avait une perte de 5 725 000 $. Alors qu'avec l'imprimante 3D, on faisait un gain de 440 750. On a aussi établi pour l'année d'après. Donc ça, on a fait fois 50% puisque Mme Gilbert prévoyait qu'il y aurait 5% par année de plus pour ses clients. Donc, 5% par contre, ses clients, s'il allait être au début avec 45% de ses clients qui étaient aptes à construire leur maison avec la machinerie, mais maintenant, elle estime que 5% de ses clients par année de plus seront prêts à construire la maison avec la machinerie. Donc l'année 2020, ça va être 50% de sa clientèle qui serait prête à construire sa maison en 3D. Alors que dans cette année, c'était 45% et ça continue comme ça. Donc en fait, pour les déboursiers, on a dit qu'il allait payer 2 995 900 alors que ses ventes allaient augmenter de 5%. De 9 030 000 $. Alors, il ferait de l'argent de 6 531 000 $. Donc, Mme Gilbert, elle nous a demandé quelques précisions du mandat. Donc, il y avait des précisions au niveau du loyer et de la formation. Pour le loyer, ça va être inscrit dans l'état de résultat comme une charge d'exploitation. Et les frais de formation, ils ne vont pas être dans le bilan avec le coût de mobilisation, mais ils vont être une charge d'exploitation dans l'état de résultat. Par la suite, moi, je vais vous expliquer les moyens de financement pour lesquels on a procédé. Il y avait plusieurs moyens de financement. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, environ 7, 8 au total. On est allé, je vais vous expliquer celles qu'on est allé, puis après ça, je vais vous expliquer pourquoi celles qu'on a choisies. Comme on vous a dit, on est allé vraiment pour le moins de risques possible. Donc, le constitutif par cette ligne-là ici, là, ça c'est le financement total. On s'est dit, la machine était de 1 500 000. Le prix qu'on a, notre hypothèse pour négocier était de 1 125 000. Mais si jamais
elle n'est pas capable de négocier 1 million 125 000, on s'est dit qu'elle va avoir au moins un emprunt de 1 300 000. Comme ça, il y a une petite marge, elle va être capable de négocier jusqu'à 1 125 000. Donc, il y a 3 moyens de financement. Il y a 500 000 qui provient de ses économies. Un 600 000 $ qui provient de M. Caron, il y a 200 000 $ qui provient de sa banque personnelle. Je vais vous expliquer le calcul qu'on a fait. Donc, on commence avec le paiement de M. Caron. M. Caron nous offrait 900 000 $ pour un emprunt. Cependant, si on dépassait le seuil de 600 000, on devait lui payer au-delà d'un an. Parce que lui, ce qu'il demandait en redevance, c'était 8% de nos profits de bain, des ventes accumulées. Donc, 8% de toutes les revenus qu'on gagne, c'est 690 000 $. C'est pour ça qu'on est allé au maximum pour rembourser en un an. Afin que, après ça, pour la deuxième année, long terme qui suit, on lui doit seulement des redevances de 2% ou 2%. Donc, ça fait en sorte qu'on a un emprunt de 600 000 $, des redevances de 690 000 $ pour la prochaine année. Et un emprunt long terme pour, pas un emprunt long terme, mais des redevances long terme de 189 750 $ par année. La deuxième option, le 200 000 $ ça c'était la, comme on vous a dit, c'était le taux d'intérêt le plus bas. C'était vraiment l'emprunt le moins cher en termes d'intérêt. Cependant, c'était le moins généreux en termes de capital. C'est pour ça qu'on l'a pris quand même, parce que, combiné avec les autres, ça donnait quand même un bon mélange. Donc, les intérêts, ça se calcule encore avec cette trésorerie-là. On aurait un 10 232 $ d'intérêt à payer à cette banque-là, payer encore une fois en un an, dans l'année courante. Et les économies dans le jeu vert, il y avait 600 000 d'économies. On n'avait pas gaspillé son 600 000 au total. Et donc, on a décidé de juste prendre une portion de 500 000 pour financer sa machinerie. Donc, le financement total d'un 1 320 000. Je vous explique maintenant pourquoi on n'a pas pris les autres. Les actions environnementales qui donnaient un bon rendement, on les a calculées. Cependant, il y avait un petit bout dans Canada Juvert nous a dit que c'était très risqué. Donc nous, on n'a pas voulu prendre ça parce que c'était trop risqué. Les 10% des actions, donc M. Caron nous a pris encore une fois son emprunt à 900 000. Cependant, cette fois-ci, il voulait 10% de l'entreprise. Donc bon, ça, c'était trop imprécis en termes de chiffres. On ne savait pas exactement c'était quoi qu'il voulait. Ça a pu être beaucoup plus. On ne savait pas non plus le nombre d'actions que l'entreprise mettait. C'est pour cette raison-là qu'on n'a pas voulu risquer de perdre plus d'argent que les autres moyens de financement que nous avons donné. Et le 20% d'intérêt sur 10 ans, ça, M. Caron nous a fait aussi un emprunt. Cependant, son emprunt est à 20% d'intérêt. On a juste pris un exemple avec la moitié de 600 000. Pour 300 000 $ ça nous aurait coûté 2 500 776 $ au total pour l'emprunt. Alors, réparti en 10 ans, par contre. L'emprunt personnel de 400 000 $ n'était pas nécessaire parce que si on l'avait pris, on aurait eu soit un financement trop élevé ou soit un financement trop bas parce qu'on aurait par la suite. Donc, le coût total des intérêts s'élève et des redevances s'élève donc à 700 232 $ et au long terme à 999 750 $ par année. Et donc, au niveau des avantages et inconvénients pour l'achat de l'imprimante, les avantages, ça crée les formations et les murs de la maison seulement en quelques heures, donc on réduit le coût de la main d'œuvre. Ensuite, ça crée facilement des murs courbés et une façade unique. Et donc, ça pourrait attirer les consommateurs à avoir quelque chose de plus unique. Ensuite, le coût de production est moins coûteux. L'entreprise est beaucoup axée au niveau de l'environnement, comme elle va planter 10 arbres avec chaque maison vendue. Ce qui est fun pour les clients, c'est qu'ils peuvent personnaliser leur maison comme ils veulent. Et puis les délais de construction, ils vont être beaucoup moins courts. Plus courts, oui. Et ensuite, au niveau des inconvénients, le processus de construction est interrompu à cause que l'installation de la plomberie, l'électricité et les barres d'armature, ça doit se faire manuellement. Et ensuite, la surface extérieure rugueuse, ça ne peut pas faire tout le monde, mais il y a quand même une option pour la lisser. Et sinon, l'appareil est très dispendieux, donc ça peut être un gros inconvénient. Et on peut adapter la machine. En fait, c'est l'adaptation de la machine, sauf que le canadien n'est pas prouvé. On ne sait pas comment on réagit avec le climat québécois, comme je l'ai expliqué précédemment. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on ne sait pas comment on va réagir. Peut-être qu'il va avoir des prix plus précoces que lui. Et puis comme aussi, on vous a montré tout à l'heure avec les options de financement qu'on a choisies, il y aurait beaucoup d'intérêts et de redevances.
cotisation et les transactions, l'installation électrique de l'immeuble, on va, au débit, on va mettre entretien et réparation, TPS à recevoir, TPK à recevoir et fournisseur au crédit. Pour la toiture de l'entrepôt, ça va être la même chose. Pour la vente d'une maison, à la banque, on a mis 50 000 qui était le dépôt du client. Et ensuite, le client, c'est le montant, c'est la différence de la vente du coût de la maison. Et au crédit, on met vente TPS à payer, TVQ à payer. Par la suite, moi, je vais vous expliquer le reste des transactions. On avait donc un nouveau moteur dans un camion. Ce moteur-là était au coût de 5 000 $ de toutes les taxes. Ça nous donnait un paiement de 5 700 $. Par la suite, on a eu un dégât d'eau dans notre entrepôt, suite au, donc on a perdu de la marchandise pour 25 000 $ de marchandise. Cependant, les assurances nous ont payé la valeur comptable des marchandises par autour de 25 000 $. On a contracté notre emprunt hypothécaire, comme je l'ai expliqué, pour plutôt de 1 300 000 et les redevances des interrupteurs, et là, donc de 700 000 $ 130 000 $. En conclusion, avec ce qu'on notre analyse, on décide d'acheter l'imprimante mobilier électrique coûteuse. Et cependant, c'est pour ça qu'on décide d'acheter, le moins de financements sont faisables. On les réussit en moins de temps. Mme Gilbert voulait de quoi de rapide. Elle voulait quelque chose qui était environnement, qui correspondait aux valeurs d'entreprise. Elle voulait quelque chose qui faisait en sorte qu'elle allait pouvoir se démarquer de son entreprise, puisqu'elle est une entreprise débutante. C'est pour cette raison qu'on décide d'acheter l'imprimante. Elle n'a jamais parlé de risque, donc on a vraiment assumé pour une petite entreprise qu'elle ne veut pas se permettre des investissements risqués, donc on a voulu vraiment prendre des risques très, très minimes. Par la suite, on vous remercie pour votre précieuse écoute et en attendant que vous ayez à vous des questions. Je vais juste faire un rappel. Merci. Si je comprends bien, vous choisissez de prendre 500 000 $ des économies de Mme Gilbert pour les injecter. Qu'est-ce que vous allez faire avec les 100 000 $ restants? Les 100 000 $ restants, on s'est dit, Mme Gilbert, si jamais elle avait d'autres projets d'investissement, si jamais elle avait d'autres projets d'envergure, elle aurait encore décidé de 100 000 $ elle n'aurait pas obligé le temps qu'on a dit. Elle aurait voulu faire un autre achat comme celui-ci. OK, donc les 100 000 $ il resterait dans son compte en banque, on ne le placerait pas à l'époque? Bien, il serait placé si jamais elle décide. Il était dans un compte épargne. Dans le contexte, c'est écrit dans un compte épargne, donc je le laisserai dans un compte épargne. Par la suite, si jamais elle veut mettre ça dans quelque chose d'autre, bien, on s'est dit qu'on n'allait pas la céder, si vous pouvez me faire l'expression. Sinon, on va être sans liquidité, mais souvent, l'intervalle défensif, c'est un peu plus minime. Et donc, si elle avait des éventualités ou des inconvénients, on n'aurait pas pu faire face à ça. Après, vous m'avez parlé que j'ai La subvention, je demanderai la banque de 45 000 parce que la subvention, donc, ça ne sera pas directement dans notre compte en banque. Par la suite, au crédit, moi personnellement, je mettrais soit on crée un compte pour ça, soit on. Soit on crée un compte pour la subvention, ou sinon on va utiliser dans sa boîte. Ce serait quel type de compte? Ce serait un compte de produit. Produit? Merci. Merci pour votre présentation. Il y a juste quelque chose qui m'échappe. J'aimerais juste revenir sur le 500 000 $ d'investissement personnel, oui. Parce que vous avez dit qu'on ne mettait pas dans l'investissement qui était suggéré à la dame, oui. Parce que c'est un projet environnemental. Vous avez dit que le projet, présentement, il est plus ou moins risqué. Par contre, ce que je comprends, c'est que je prends 500 000 $ de pourquoi investir ça dans un projet environnemental pour investir ça dans un autre projet environnemental qui n'est pas risqué. J'aimerais que vous m'expliquiez la notion de risque ici. L'investissement des actions que donne Mme Gilbert, ça c'est vraiment du capital peu, c'est vraiment juste de l'argent. Tandis que l'imprimante, elle voulait une solution rapide. Ça c'est écrit dans le début. Elle voulait vraiment une solution rapide, elle voulait quelque chose qui pouvait prendre une avance sur ses concurrents, parce qu'elle est une entreprise en démarrage. Donc on s'est dit que ça allait être bien, qu'elle allait utiliser l'imprimante 3D, qu'elle est au long terme, qu'elle puisse réduire ses coûts, tandis que les actions qui fructifient, ça n'allait pas nécessairement réduire ses coûts de production. Donc, au long terme, d'un, l'imprimante a été meilleure. De deux, oui, elle est risquée, mais
millions par année. Mais mon entreprise est en croissance. Et honnêtement, tu sais, moi, j'ai réussi quand même à me payer un salaire et à vivre convenablement. Comment ça se fait que j'ai pas remarqué ça avec mes. Que je passe 1 million, c'est quoi ce que tu fais que je passe pour ta maison? Nous, on a vu les ventes. Les ventes sont de 172 500 $ par maison. On a une hypothèse qu'il y a une maison par client. Et on, par année, on vend 50 maisons. 50 maisons. 50 maisons fois 172 500, ça fait le 8 600 000 que vous voyez. Cependant, les sommes à débourser, comme on les a expliqué plus tôt, c'est ceci. Le coût en matière première, je crois que c'était 2 300 $ fois par pied carré, fois le 75 $ par pied carré qu'ils demandent, plus fois le. Elle ne me rappelle pas toutes les données par cœur. Non, mais c'est bien, au fond, moi, ce que je comprends, c'est que selon l'analyse que vous avez faite à mon entreprise actuellement, oui. Si je continue comme ça et que je ne me tourne pas vers l'imprimante 3D, je vais m'en aller. Oui, énormément. Parce que vraiment, les coûts de main-d'œuvre, les coûts de matières premières sont exorbitants. Nous aussi, on s'est posé la question, quand on a vu ça, mais quand on fait un calcul, on fait une modification. Le produit, on voit que les coûts sont vraiment exorbitants comparés à l'imprimante 3D qui est quasiment qui est vraiment à 11 millions plus bas, quasiment. On s'est dit, l'imprimante 3D aussi, c'est la même chose pour l'entreprise, elle n'a pas vraiment le choix. Parce que vraiment, les coûts, c'est vraiment les coûts de matières premières qui sont plus gros. Les coûts de matières premières, vraiment, ce que ça demande, c'est vraiment par plus bas. Merci. Fin de période de questions. Merci.